Épisode 16. L'épisode 16, ça s'intitule le chapitre 2. Bon, ok, ça fait 5 jours que je n'ai pas rejoué Paper Mario car Valentin ne s'est pas dépêché, n'est-ce pas? Oui. PPPP et PPPP. Piou! Salut! Je m'appelle Bulub. Je viens du champ des fleurs, le pays merveilleux des fleurs. Bah oui, ça s'appelle là ton cul, mon merveilleux de fleurs. J'aimerais répandre les fabuleuses fleurs du champ de fleurs partout dans le monde. Tu aimes les fleurs, non? Bien sûr que oui, qui ne les aimerait pas? C'est pour cette raison que je te confie ceci. Une graine magique. Et blablabla, tu te tais. Tais-toi et va te planter des fleurs dans le cul. Ouais, toujours des bonnes blagues. Regarde ce qui se passe quand je secoue. Mais rien n'est pas peur. T'as vu? Quand j'ai secoué cet arbre, il m'a fait apparaître un tuyau. Mais... c'est qui lui? C'est Paper Mario 64. Ah oui, j'ai oublié de dire. Mon copain, il a... En fait, il a un ami avec lui. Ah oui. Il s'appelle... Et je vous préviens, il a intérêt à rester tranquille, car sinon je vais... Alors, non, il ne s'appelle pas. Il s'appelle Sammy. Ouais. Allez, tout le monde en route. Veuillez vous asseoir, nous allons partir pour le mont accidenté. Veuillez excuser ce désagrément qui vient de chez moi. Une autre personne vient d'arriver sans prévenir. Le mont accidenté, nous voilà. Nous avons des problèmes. Veuillez ne pas pisser dans le train car sinon le chauffeur va vous péter la gueule. Veuillez ne pas éjaculer dans le train car sinon le patron va pas être content. Chacha pipipitre de le mystère des ruines sex sec. Et pourquoi pas les ruines sex sex? Sex sex. Ça elle est bien bonne. Ouais, c'est vrai, attention au poquet. C'est quelque chose de big. C'est quelque chose de avec plein de cactus géants. C'est ça. Non, c'est que ça. Oui. Oh, je vois rien d'autre. Bon, on appuie sur A, Steven. Attends une seconde. Faut leur laisser un peu la musique aux autres. Ah, on y va. J'appuie sur A. Bienvenue dans le mont accidenté. Mont accidenté. Pour le dire sec-sec ou le campement sec-sec, vous êtes prié de descendre à la gare du mont accidenté. Mais je suis déjà descendu à la gare, pauvre imbécile! Le mot asexué. Asexué, c'est quoi asexué en fait? Qui n'a pas de sexe. Qui n'a pas de sexe. Oh! Un œuf! Pac-p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 ac. Burger. Burger. Ah non, impossible. Où est-elle? Hein? Dans ton cul. Ah mais c'est le facteur. C'est le facteur de merde. Oh désolé les amis. Je regardais un peu partout sans regarder où j'allais. Ouais, parce que j'ai envie de faire. Tu es Mario, non? C'est toi, tu es le Mario. Enchanté. Yo, je m'appelle Parakari, je livre le courrier. Merde. En temps normal, je suis un bon postier, mais j'ai perdu une de mes lettres. Je l'ai perdue ici, sur le mont accidenté, et je n'arrive pas à la retrouver. Et tu tombes dessus par hasard. Tu pourrais me prévenir si tu veux. Mon travail en dépend. Je cherchais par ici. Bah toi, tu as passé ta journée à rien faire, Parakari.
Il y a des problèmes de chez moi, Steven. Ouais, je comprends. Si vous trouvez que cette vidéo est pourrie, veuillez la couper. La suite sera des plus intéressantes. Ouais. Un mouton dodo. Oh, regarde. C'est drôle, celui-là. Ouais, cool, je suis Waka. Encore une bien belle journée sur le mont accidenté. Le soleil, l'air pur. C'est si rafraîchissant. Valentin? Ouais. Regarde ça, tu vas trop te marrer. Je vais le frapper. Waka, ouch, ne me frappe pas. Si j'ai envie. Ah oui, dans Paper Mario aussi, il y a deux. J'ai envie. Un enfoiré vous a attaqué. Eh, tu parles de Mario l'enfoiré. C'est quoi ces ennemis? J'ai des topi top. Ouais. Oh là là, mais c'est pas possible, la touche 1 ne marche plus ou quoi? Elles ont combien en attaque? Eh ben, je crois 1 ou 2. 2? Eh, mais appuie sur 1, pauvre idiot de manette. Mais j'appuie sur A, il ne veut pas! Parce qu'il n'est pas gentil. Est-ce que j'ai une manette cassée ou quoi? Vraiment, il y a des bruits bizarres qui viennent de chez moi. C'est quoi ce bordel? C'est un gros bordel. C'est un bordel que vous découvrirez dans la prochaine vidéo. Non. Oh, mais ils font les crétins. Mais j'en ai marre. Ne vous en faites pas, ils sont complètement dégénérés. Joli, moche plutôt. Mais les bruits qui viennent de m'énerve. Eh, je veux. Comment je fais pour vivre après? Excuse-moi, c'est parce qu'il y en a un autre de 6 ans qui est arrivé. Il fait quoi? Bah, il devrait arrêter car sinon je lui bute. Tu peux pas être derrière ton écran, bouffon. C'est vrai. Bon. Il y a un bon repos là-bas. Y'a quoi? Oups. Qu'est-ce qu'on fait, Steven? On donne rendez-vous dans une prochaine vidéo? Eh ben, attends une seconde au moins ce combat et on verra. Non. Ah ouais, un des left, c'était bien quelque chose, un left. Pingouin, je connectais. Pingouin. Oh non! Pitié! J'espère qu'il va pas nous déranger, pingouin masqué. Arrête! On tourne ici, s'il te plaît. Radcliffe! J'ai 6 ans et demi, c'est pas 6 ans! Bébête! Et voilà, c'est le pendule. Steven, sérieux, on est dans la merde, on en parlez-vous dans une prochaine vidéo. Ok, une petite seconde. Ah! Patapoum! Oh, pitié, est-ce que je suis dans une maison de fous? Ok, on va se revoir tous dans le prochain épisode, car là, franchement, là, il y a quelque chose qui va pas. D'abord, Mario... J'espère qu'on sera pour la prochaine, mec. Ouais.